étés, dans mes souvenirs, c'est plutôt ceux qui sont faits de musique. C'est souvent ceux qu'on vit en festival, en tournée. Un mélange de musique avec les copains sur la route, quand il fait beau, d'être en festival dans des lieux magnifiques, dans lesquels on passe la journée en compagnie du soleil, et puis dès qu'il nous quitte, on monte sur scène pour faire de la musique. C'est souvent ça, les plus beaux étés. Mais quoi qu'il en soit, c'est être entouré de ses amis et être capable de ne rien faire ensemble. Coco Caline, qui est vraiment une chanson qui est née en été et qui parle d'un été. Sur la plage, Coco Caline, sur la plage, Coco. Ah, les deux sont étroitement liés, mais peut-être que Caline est un mot qui fait du bien immédiatement. Plutôt chaud, ouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de saison pour que l'amour naisse. Je pense que c'est... Je pensais bien qu'il soit là tout court, peu importe la saison, pour ne pas être trop difficile dans cette époque. Et si c'est uniquement de la nostalgie pour refaire des choses similaires, ça n'a strictement aucun intérêt. Ni pour les gens qui écouteront cette musique aujourd'hui, ni pour l'artiste lui-même. Il faut être capable de digérer les choses. De digérer les choses qu'on a aimées, que l'on a adorées, pour pouvoir en tirer quelque chose de soi. C'est un peu comme si on avait une matière qui était là, qu'on respecte tellement, et à un moment donné, il faut être capable de s'en nourrir, et de n'en tirer que le suc. Et ce temps qu'on essaie d'être quelqu'un d'autre, on n'est pas en mesure de comprendre que cette place est déjà prise. Et qu'il est donc bien préférable d'arrêter de perdre du temps et plutôt d'essayer d'être soi-même. J'ai envisagé assez vite ces deux albums comme deux albums faisant partie d'un triptyque. Il y a eu Love, il y a et j'ai l'impression qu'il manque une troisième pièce. C'est juste. Mais je n'ai aucune idée de sa forme, de sa couleur, du moment où elle arrivera. Pour l'instant, je suis... sur la route, en tournée, jusqu'au 13 août. Et puis après, on reprend au mois de novembre jusqu'au 20 décembre. Et là, je m'arrêterai surtout. Et après, je verrai ce qui se passe.